Alors, Jacques, ça y est, je te dis c'est où? C'est de ce côté-là. Tu vois le château? Viens, suis-moi. Il est là. C'est ce château-là. Il faut en fait suivre ces méchants sorciers. Viens, je te montre, c'est par là. Mais après, je sais pas comment moi, ils me voient pas. Toi, ils vont te voir. Donc, il faut trouver une solution. Si tu as une solution, n'hésite pas à me dire comment piéger ses parents pour qu'ils se retrouvent en prison. Enfin, pourquoi je dis parents? Ce sont des monstres. Oh. Ok, j'ai trop hâte de les mettre en prison. Moi aussi, j'attends que ça. Donc, tu as une idée comment on fait? Sachant que c'est des sorciers, ça va être un petit peu compliqué. Mais il faut trouver une solution. Pourquoi ne pas les faire peur comme ils t'ont fait et dire que leur maison est hantée? C'est pas mal cette idée. Oui, on devrait leur faire peur. C'est aussi, on ne peut pas faire n'importe quoi parce que ce sont des sorciers, ce sont pas des personnes normaux comme nous et ils peuvent tout faire pour nous piéger en fait. En retour, ils vont nous piéger. Ils ont beaucoup de sorts magiques, ça je pense que vous avez tous vu. Je suis morte à cause d'eux et j'ai pas envie que ma Bella disparaisse aussi à cause d'eux. Donc il faut déjà aller voir à l'intérieur de ce château. Alors, tu sais quoi? J'ai une idée. Oui, vas-y, je t'écoute. Alors, sers-toi d'abord d'un... je sais plus comment ça s'appelle. Attends. Une airplane propeller. Utilise ça. Est-ce que tu as ça pour aller en haut? Ah, c'est bon, tu as ça. Eux, ce sont des sorciers, ils se sont servis déballés. Vas-y, monte en haut du château. On a besoin d'aller là-bas. Allez, vas-y, ça y est, on y est presque. Moi, il me va pas, j'ai de la chance. Je te dis si c'est bon. Et après, tu lâches. Hop là, ça y est. Oh, on y est. Alors, ils sont où? Ils étaient là hier soir. Mais là, je sais pas, ils sont passés où? C'est bon, tu arrives? Tu peux venir, c'est bon, il n'y a personne. Non, c'est un peu plus haut, Jacques. Allez, vas-y, viens. Attendez, mais ils étaient là? Ils sont passés où? Ne me dis pas qu'ils se sont envolés. On peut ouvrir cette porte? Oh non, on peut pas ouvrir cette porte, Jacques. Mais, c'est pas possible. Ne me dis pas qu'ils savent que j'allais venir ou qu'on allait les piéger. Ces sorciers sont vraiment très malins. Ils prédisent l'avenir. Donc peut-être ils ont vu que on allait passer ici. Peut-être, je sais pas, j'ai trop peur. J'ai peur pour ma Bella, c'est tout. Donc, Jacques, tu en penses quoi? Tu crois qu'ils savent qu'on allait venir? Non, je crois qu'ils sont partis dans un coin où il fait moins froid. Ouais, peut-être c'est possible. Mais où? Oh my god, j'ai pas envie de perdre ma Bella. Bon bah vas-y, on descend. Je peux pas rester ici très longtemps. J'ai envie de retrouver ma Bella. Attention, fais attention, hop là. C'est parti. Attends, attends, Jacques, je ne suis pas encore assise. Attends, attends. Il a complètement oublié que j'étais là, moi aussi. C'est bon, ne bouge plus. Je suis là, je suis là. Je te dis quand je suis assise, ça y est. Tu peux y aller. Oui, c'est vrai. Faire asseoir un ange, c'est pas vraiment très simple lorsqu'on ne le voit pas. Vas-y. Dis-moi si tu trouves où est-ce qu'elle est, Bella. Alors, quand tu me dis il fait froid, allons voir une maison. Va dans la résidence. Ils ont certainement volé une maison. J'en suis sûre, je les connais vraiment très bien. Ils ont fait ça avec l'autre maison, la maison des riches. Alors Jacques, il y a pas mal de maisons ici. Tu penses que c'est laquelle qu'ils ont volée? Celle sur l'arbre. Elle me semble pas nette. D'accord. Oh oui, tu as raison peut-être, parce que ce croc aussi, il est là. Alors que normalement, ce sont les parents riches, enfin les parents, les méchants monstres qui l'ont adopté. Donc, je pense que c'est celle-ci moi aussi. Du coup, tu sais, j'ai une idée. Tu sais quoi? Tu vas rester ici, derrière. Je t'appelle. Lorsqu'ils auront peur, je vais en fait leur hanter, leur faire peur. Ils vont sortir de la maison et ensuite tu les arrêtes, d'accord? Ok, bonne idée, super. Mais par contre, il faudrait que tu appelles un de tes collègues. Tu peux faire ça? Ce sont des sorciers, attention Jacques, j'ai trop peur. D'accord, je vais appeler du renfort, j'arrive. Merci Jacques, merci beaucoup pour ton aide. Ok, bon, mon petit croc, c'est à nous de jouer. C'est parti. Oh là là, j'ai trop peur. Alors, où sont-ils? Je pense qu'ils sont... Attends, attends. De ce côté-là. Parce que là, c'est la chambre. Ah, ils sont là. Oh, ma Bella.
Ma belle Bella, tu m'as manqué. Oh, je peux pas te porter. Ils sont là, ils sont en train de dormir. Je vais leur faire peur. Ouh. Attendez, attendez. Qu'est-ce qu'ils vont croire? Ouh. Alors, en fais-moi le malin, hein. Ouh. Vous avez peur. C'est quoi ça? À ton avis. C'est un fantôme. Oh non. Oui, je suis un fantôme. Et je vais vous détruire. Pour toujours, vous allez disparaître. Vous êtes des monstres. Je suis le fantôme. La personne que vous avez tuée récemment, la nuit dernière. Rappelez-vous. Et cette licorne appartient à moi. Rien qu'à moi. Miss ? Oui, bien deviné. Dommage que Chloé n'est pas avec moi. Je vais vous hanter pour le reste de votre vie. Et vous allez ensuite mourir. Oh non ! Oh si ! Ça y est, maintenant vous êtes piégé. Je vous ai hanté. C'est fini pour vous. Rendez-moi ma Bella. Attendez, elle dit quoi ? Hors de question. On fuit, chérie. Ah bah non ! C'est pas possible. Pourquoi elle part ? Toi aussi, je te laisserai pas partir. Tu dois rentrer, ma Bella. Jamais. Mais ça va pas? Vous êtes piégée. Courez, courez. Vous ne pourrez pas aller vraiment très loin. Je vous suis. Partez, partez. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Au nom de la loi, je vous arrête. Vous êtes piégée. Maintenant, vous n'avez aucun issue pour sortir de là. Mais c'est pas juste. Chérie, aide-moi. Je ne peux rien faire. Oui, vous êtes piégée. Tout le monde est contre vous. Ils veulent leur bête. Et certains, les pauvres, ont disparu comme moi. Oh, ma Bella, tu m'as trop manqué. Ça y est, ils sont enfin en prison, ces méchants parents. Ils auraient dû disparaître, comme ont été disparus Charles et Chloé. Et maintenant, c'est moi, Bella, je dois disparaître. J'espère qu'ils ne vont pas s'échapper de la prison. Veillez très attentivement sur eux. Je ne veux surtout pas qu'ils s'évadent de la prison. Bella, tu m'as trop manqué. Ça y est, la sorcière, elle part. Et le méchant aussi. Oh, ma pauvre Bella, tu as besoin de quelqu'un. Je vais bientôt disparaître pour toujours. Alors, Bella, quelqu'un devrait t'adopter. Je ne peux pas rester très longtemps avec toi. Je sais, tu es triste, tu m'entends. Je le sais, tu me vois aussi. Je le sais. Oh my god, Bella, je suis en train de disparaître. Vite, il te faut une nouvelle maîtresse. Désolée, Bella. Je vais partir d'ici, vraiment très très loin. Je suis désolée Bella, je sais que tu veux rester avec moi, moi aussi, mais c'est comme ça. Je dois disparaître, à jamais. Au revoir Bella. Mais avant ça, j'ai quelque chose de vraiment très important à faire. Te confier à quelqu'un à qui j'ai vraiment confiance. Et pour ça, il y a mon ami Jacques qui a trouvé quelqu'un. Pour toi. Oui Bella, je serai toujours à tes côtés quand tu auras besoin de moi. Mais maintenant je dois partir, désolée. Je t'aime Bella.